Salut, salut. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et comme chaque dimanche, c'est l'heure du stream. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Hey, salut Haribo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, hop, alors je vais remettre le micro correctement, j'espère que vous m'entendez bien. Salut à toi Ferdodo. Ferdodo, si je ne m'abuse, tu viens de nous rejoindre sur Discord. Et donc, doublement bienvenue. Dimanche dernier, je me suis essayé à, j'ai envie de dire, mon premier CTF, que je n'ai pas terminé, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'un CTF? C'est un Capture the Flag. L'idée, c'est de, entre guillemets, de pirater une machine. Une machine faite pour ça, hein, une machine d'exercice, et de récupérer un flag, un drapeau, qui est symbolisé par un fichier particulier pour lequel il faut avoir les droits administrateurs pour le voir, et pouvoir ensuite indiquer qu'on a bien eu ce drapeau. Ferdodo qui dit « c'est ça, ok, c'est cool, je me suis pas trompé ». Donc... c'est assez exceptionnel que je fasse du CTF, pour être honnête, hein, c'est une découverte. Salut à toi Kamashku, bienvenue. Oui, c'est vrai qu'il est, il est à peine 18h01, enfin en tout cas si vous regardez cette vidéo en différé, vous regardez à l'heure que vous voulez. Mais pour une fois, ouais, je suis pas à la bourre, et je suis content. Donc il s'agissait, en fait la semaine dernière au début je me disais tiens je vais continuer à faire du, d'ailleurs je vais vous raconter, hein, je voulais faire du Root-Me à la base, parce qu'il y a des petits exercices qui ont l'air relativement faisables et ça me permettait de gentiment comme ça me mettre le pied à l'étrier sur certains sujets cybersécu, en tout cas dans le mode offensif, et en fait il s'est avéré que... streamer du Root-Me, c'est un peu contre les conditions générales d'utilisation de Root-Me. Et donc on s'est redirigé vers un autre site de, j'ai envie de dire, d'apprentissage à la cyber, qui est tout simplement TryHackMe. Donc TryHackMe.com. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien. Je vais vous mettre le lien. Alors je joue encore avec le micro, j'essaye de le... À chaque fois, en chaque début de stream, c'est un peu la difficulté, c'est qu'est-ce que je fais du micro. Hop, mais je vous mets le lien vers, hop là, vers TryHackMe. Alors en fait, si le truc veut bien copier-coller, si le copier-coller entre différents... Non, ça veut pas, bon bah, on va le taper à la main. Donc c'est tout simplement tryhackme.com, hein. Comme ça se prononce, j'ai envie de dire. Hop, je vais vous mettre le lien aussi d'ailleurs sur le Discord. Discord que je mentionnais il y a un petit instant parce que Ferdo nous a rejoint. Je vais aller mettre ça tout de suite dans les liens du live. Voilà. Et on va pouvoir démarrer dans un instant. Oui, alors avant qu'on démarre, par rapport à Root-Me, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, a priori, j'enfreignais les conditions d'utilisation de la plateforme Root-Me, root-me.org, je crois, si je me rappelle bien. Et en gros, les conditions, c'est qu'il y a une ligne quelque part qui dit qu'il ne faut pas montrer les solutions à tout le monde de façon ouverte. Et techniquement, streamer, c'est un peu ça. Et mettre une vidéo sur YouTube, c'est un peu ça aussi. Et j'avais déjà fait une initiation à Root-Me il y a quelques temps. Et en fait, c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si jamais vous voulez retrouver ma chaîne YouTube, !socials, avec un S à la fin en bas. Vous retrouverez à ce moment-là ma page perso avec tous les liens, notamment ma chaîne YouTube. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, alors je l'ai fait un peu tard, je crois que je l'ai fait qu'aujourd'hui, mais j'ai mis hors ligne la vidéo, parce que je veux pas, d'une part, j'ai pas envie de me faire ban de la plateforme, d'autre part, c'est les règles de leur jeu, j'ai envie de dire, enfin de leur jeu, façon de parler, hein. Je pense que je serais le premier si je créais un truc avec des règles à râler si des gens ne respectent pas les règles. Donc la moindre des choses, c'est que je les respecte aussi. Et je suis tenté de dire un peu comme tout le monde, j'ai tendance à pas trop lire les conditions d'utilisation. Là, on m'a dit faut pas, donc je ne fais pas. C'est aussi simple que cela. Ça ne m'empêche pas de vous encourager à essayer la plateforme en elle-même, hein, puisque ça m'a l'air d'être de qualité. Mais du fait que, a priori, les règles sont différentes sur le site TryHackMe, je vais continuer un peu, en tout cas aujourd'hui, dessus. Et donc on va continuer le CTF que je m'étais... qu'on m'avait gentiment... qu'on m'avait gentiment proposé. Je crois que c'était... fiche... Ouais, tiens, d'ailleurs, il est pas venu nous faire coucou, Topclean. Je sais plus si c'était Topclean ou si c'était qui d'autre qui nous avait rendu visite la semaine dernière. Et une fois, c'était quelqu'un d'autre. Mais je crois que je suis arrivé malgré tout un peu tard par rapport à eux. Hey, salut Xavier, bienvenue à toi et merci beaucoup pour ton sub, merci énormément. Ça me fait très plaisir de recevoir toujours vos soutiens, ça m'étonne toujours en fait aussi. Je trouve ça juste fantastique que vous soyez intéressés par mon contenu au point de faire des subs. En tout cas, ça me touche énormément. Encore merci pour ton soutien, et je dirais même ton soutien constant depuis maintenant 11 mois. 11 mois, ça va faire presque un an, Xavier. C'est fou, ça. À quelques mois près, t'es presque à l'anniversaire de la chaîne, puisque j'ai lancé Another Homepage en janvier, juste après un nouvel an, en fait. Ah tiens, j'ai cru voir l'autofocus se déclencher, moi. Bon, bref. Toujours est-il que voilà, l'idée c'est donc aujourd'hui de continuer le CTF démarré la semaine dernière, et puis une bonne résolution. Et puis voilà. Alors, avant de démarrer encore un dernier petit truc, j'avais envoyé un message hier sur plusieurs plateformes, bah, d'ailleurs sur le Discord, mais j'ai aussi relayé sur Twitter et sur Mastodon. Pareil, hein, les liens sont en dessous, point d'exclamation, socials, vous commencez à connaître la chanson, je vais arrêter de me répéter quand même. Mais en gros, l'idée le plus confortable a priori pour les CTF sur TryHackMe, c'est d'avoir sa propre machine sous Kali Linux et de se connecter au VPN de TryHackMe, qui est d'accès gratuit a priori. Enfin, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas rentré ma CB sur TryHackMe. Donc c'est ce que j'ai fait, et la question que j'avais sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que vous voulez qu'on pop la VM ensemble, ou est-ce que je la crée avant et puis comme ça on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Visiblement ce qui a été le plus populaire, quelle que soit la plateforme, hein, que ce soit Mastodon ou Twitter, ça a été non mais fais la VM d'abord et on veut rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai déjà préparé la VM, j'ai plus qu'à me connecter au VPN et à repartir là où on en était resté. Donc, eh ben on va switcher de vue après plus de 10 minutes, 11 minutes de blabla de ma part. Vous êtes déjà 12 à regarder, c'est cool ça. Merci d'être là. Alors, donc le CTF s'appelle Simple CTF. Voilà, c'est un truc de niveau débutant, hein. Le but c'est plus de découvrir le truc, puis on verra après. Alors, a priori, j'en aurais déjà fait 40% la semaine dernière. Vous me dites hein, si jamais le son est pas bon, si je suis trop loin de mon micro. Alors, je stream des CTF maintenant. On se calme, Xavier. C'est juste, j'essaye comme ça, ça me change un peu. Ces derniers temps, j'avais fait beaucoup de Kubernetes sans forcément y arriver. Et j'avais besoin de changer d'air. Voilà. Après, j'ai d'autres trucs. Alors, il y a des trucs que j'ai fait offline parce que parce que je pense que c'était pas forcément des trucs super intéressants, qu'il y a déjà des gens qui font ça très bien. Genre par exemple ce week-end j'ai démonté des laptops pour changer les disques durs, mettre des SSD à la place, ce genre de choses là. Et comme de toute façon il y a un Foréa qui vous fait ça toute la semaine, j'allais pas lui piquer, son concept. Salut à toi Sacha Marrot et bienvenue sur le live. Ce que je vais faire de beau, c'est que je vais faire un peu de cybersécu, parce que j'en fais pas souvent, pour ainsi dire presque jamais. Et donc il s'agit d'un CTF, donc d'un capture de flag. On va essayer de compromettre une machine d'exercice. Salut à toi Rancune, j'espère que t'as passé un bon week-end. Eh ben écoute Sacha Marrot, on sera deux à découvrir entre guillemets. J'espère que tu as passé un bon week-end. Ce qui me fait penser d'ailleurs, vous voyez Rancune, merci pour le follow Sacha Marrot. Et d'ailleurs Sacha Marrot, si tu as envie de follow quelqu'un d'autre, je t'invite à follow Rancune qui fait lui plutôt de l'électronique. Mais c'est malgré tout très intéressant quand j'ai le temps de regarder ses lives. Mais... donc, faudrait que je fasse un... J'ai vu certains faire un genre, un point d'exclamation SO, genre pour faire un petit, j'imagine, un shoot-out, donc pour faire un peu de pub justement aux autres streamers qui viennent les voir. Alors je le fais... Ouais, non, il y est pas sur mon live, Sacha Marrot. Mais en gros, tu peux aller cliquer sur le nick de Rancune, et puis ensuite tu peux, je crois que tu dois pouvoir aller sur son, voilà, twitch.tv, hop, allez, copier le lien, hop, tu peux aller là-dessus, voilà, vous pouvez aller le follow, il en vaut le détour. En plus il a l'air d'être en train de se faire un petit labo plutôt fort sympathique, un petit labo d'électronique, enfin même pas un petit, un grand labo d'électronique. Bien, bien, bien. Donc, où en sommes-nous? Alors, il va falloir que je démarre... Ouais, mais c'est bien du hardware, la preuve, moi j'en ai fait un peu cette semaine, donc j'ai démonté deux ordinateurs portables pour remplacer les disques par des SSD. Et... alors, allons-y, sudo openvpn, hop. Donc ça, on va le laisser comme ça. Je vais me mettre ici, on va changer un peu la taille des caractères histoire que vous y voyez quelque chose. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Hop, on va faire un petit IPA. Alors, oui, alors ce que Rancune dit, faut pas jeter les alim. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une pile de mini PC industriels qui avaient tous claqué. Et comme c'était des mini PC industriels, ils n'avaient pas une alimentation ATX classique, mais... un transformateur, une brique quoi. Et je pense que j'ai dû mélanger les briques de ces petits mini PC industriels qui avaient tous claqué et celle d'un vieux laptop. Et malheureusement, alors à moins que je recherche un peu dans mon bazar s'il n'y aurait pas la brique qui traîne, mais je pense que j'ai malheureusement gardé une brique de mini PC industriel claqué et j'ai jeté la brique du vieux laptop. Après, comme je disais sur Twitter, essayer de remettre en état ce laptop-là, c'est un peu de l'acharnement thérapeutique. La machine surchauffe comme pas permis, les ventilateurs se mettent à fond pour le moindre truc. En plus, son stockage, c'est du stockage bizarre. C'est pas du 2 pouces et demi, c'est pas du NVMe, parce que de toute façon, la machine est beaucoup trop vieille. C'est un Core i7 de première génération, avec un genre de Nvidia Optimus, mais mal fichu, ça doit être l'une des premières générations. Enfin, c'est vraiment une machine, en plus, à démonter, elle est un cauchemar, enfin bref. Honnêtement, je la gardais plus en mode, non mais techniquement, elle marche. Alors, je l'ai toujours, hein, et en théorie, pour le peu de batterie qu'elle doit avoir, elle peut peut-être encore démarrer, mais honnêtement, elle va s'éteindre tout seul. Salut, merci pour le follow, Digitalez. Merci à toi. C'est gentil. Donc voilà. Donc si ça se trouve, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer son stockage. Non, mais je pense que je vais récupérer la RAM. Je vais récupérer le stockage. Je vais récupérer les cartes Wi-Fi. Et puis le reste, ça va partir au recyclage. À un moment, je peux pas tout conserver, honnêtement. J'en garde déjà beaucoup trop, en fait. Déjà là, les deux ordinateurs portables que j'ai un peu boostés ce week-end, je vais les donner à des proches. Donc le chinois sort de ce corps. Alors, donc a priori, j'ai une interface Thune avec une adresse IP. Donc ça c'est plutôt bon, ça veut dire que je suis connecté au VPN. On a, pour le principe, je vais relancer un Nmap de ça. Hop, on va se mettre ici. Nmap -ss -sv -pn -t4 hein, et -p tiret, je crois, comme ça pour faire tout, si je me rappelle bien. J'aurais pu rajouter un moins haut quelque chose pour avoir une, pour conserver la sortie en fait, pour la mettre dans un fichier, ça aurait pu être pas mal. D'ailleurs, en fait, je vais quitter, et puis je vais le refaire, et puis je vais faire ça avec un -v. Alors, on va aller dans Documents, THM. On va se faire un répertoire quand même. Le truc s'appelle Title Easy CTF. Allez, copier. Mkdir. Hop. On va aller là-dedans. J'ai un doute. Hop, on va consulter la page de manuel, parce que la page de manuel, c'est bien. Et ce que je veux, c'est... hop. Non. Non, non. J'aurais dû faire un tiret, mais j'ai un doute. Alors, non, non, non plus, non plus, non plus. Ce que je veux, c'est... Le... Ouais, alors, il y a le nmap-a, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la sortie, en fait. C'est ce qui me... C'est la sortie qui m'intéresse. Namp. Je l'ai déjà faite celle-là. Je l'ai déjà faite plusieurs fois. Parce que je crois que tu peux rebalancer dans un fichier. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait du nmap. Voilà. -on. Donc, output scan in normal XML. En litspeak, greppable. On va le faire en -on. On va le faire en -on et puis on va lui donner un petit... Hop. Alors, hop, -on, et on va lui mettre, on va lui mettre easy, easy. Alors, on va faire une nmap.txt, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que de toute façon, il annonce des choses sur la sortie standard. Bon, je l'avais fait la semaine dernière, mais je le refais plus pour, comment dire, pour justement garder des traces un peu écrites sur le sujet, parce que j'étais allé complètement en mode YOLO la dernière fois. En effet, Digitalez, je peux aussi faire un PipeT, tout à fait. Je dirais même un PipeT -a, au cas où, moins petit a, qui permet de faire un append sur le nom du fichier. Mais en tout cas, c'est bien vu de signaler l'existence de la commande T, qui est très pratique. 2 minutes, ouais, ça va très bien. Tiens, pendant ce temps-là, hop, pitié. Ah oui, c'est vrai que... Non, c'est pas ça que je veux, c'est le profil. On remet en big et... Merci beaucoup pour le follow, Déborez. Merci à toi, c'est très 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 gentil. On va faire un nmap. Hop. Et merci aussi pour ton follow, Chifou. Merci. Et est-ce que l'autre va se déclencher? Est-ce que l'autre va... Voilà. Salut. Salut à toi, Fred. Merci pour ton follow. Je vais pas prononcer le reste du nick, désolé. J'étais en train de me dire le nmap moins grand A. Eh bah ça y est, tiens, je me demandais s'il allait passer. Salut Chaos, bienvenue à toi et à tes 59 camarades. Oh là là, merci à vous le raid. Vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. L'occasion aussi de remercier Strat03 pour le follow. Merci à toi. Ouais, c'est ça, Ethercoram, ça va être un flood. Salut à toi, pas bien. Salut à toi, El Kafou. Alors, Chaos, tu disais Tes viewers ont beaucoup insisté, une sombre histoire de compote. Oh là là, la compote, oui, la compote. Oh là là. Ah, la compote. Je peux vous dire qu'elle était excellente. Elle était excellente, la compote. Ah ouais. Ouais, pendant le slag, elle était géniale. Elle était géniale, la compote. Elle a pas fait long feu. Hein. Et du coup, il a fallu en refaire. Ah, c'est celle qu'on a congelée, c'est la même? Oh punaise, j'ai la mémoire qui flanche. Oui, donc en fait, avec Studio Cyanotype, on en a mis au congélateur. Enfin, Studio Cyanotype, on a mis au congélateur. Et justement, j'en ai redécongelé aujourd'hui. Et c'est une tuerie, cette compote. Donc, alors... alors, pendant le Slack, je sais pas trop pour quelle heure tu peux venir, parce que du coup, il faudra que je la décongèle, la compote. Non, ce n'est pas un live compote, El Kafou, à la base. C'est un live CTF. Alors, je suis limité à 1 heure en plus. Il me reste 51 minutes. Et j'ai même pas dit bonjour à tout le monde. Illisoft, je sais pas ce que tu veux par point d'exclamation box. Faudra que tu me dises et puis que je l'implémente. Je crois que j'ai loupé des follow. Donc, je vais reprendre ça. Merci beaucoup, Chaos. Tu faisais quoi d'ailleurs avant de filer? Je crois que tu faisais du hack the box, non? Alors, j'ai loupé Reims2001, merci à toi pour le follow. Sous les Kawaii, merci à toi aussi. Handspray, merci. Et puis, qui c'est qu'on a d'autres? On a Picker22, merci à toi. Nonag Fraud, Nonag Fraud, oui, tout à fait. Merci, c'est gentil. Vous faisiez du hack the box, une machine Windows. Oh, une machine Windows. C'est absolument pas mon domaine. Ce serait peut-être intéressant hein, ces jours que j'essaye. Ok. Bon, eh ben allons-y. Honnêtement, ça va être moins corsé, je pense, que chez Chaos. Mais voilà. Du buffer. Ah oui, du buffer overflow. Non, là. Alors là, honnêtement, le niveau il va être beaucoup plus bas hein, tout de suite. Il va être beaucoup plus bas. Hein. Donc. Alors, on va déployer... alors là, la machine, on l'a déployée. On a... Hop, j'avais refait un Nmap. J'étais en train de me demander ce que faisait exactement le Nmap-A, moins grand A, puisque j'avais la mémoire qui flanchait à ce niveau-là. Chez Nils, CTF égale compote toute fraîche. Exactement. Exactement. L'option moins grand A, elle fait quoi ? Non, non plus, non plus. Moins A, enable, OS détection, version détection, skip scanning, data dire. Ouais, ok, c'est un bon... c'est pas mal, c'est pas mal. Faudra que je le réutilise de temps en temps. Donc, a priori, on avait un FTP sur le port 21, on avait un HTTP sur le port 80, et on avait un SSH planqué en 2222. Et il m'a fait un segfault. What? Bon, ok, il m'a filé les infos, donc c'est plutôt rassurant. Mode agressive, ok. Merci, merci pour le tuyau, Maréchal. Et salut d'ailleurs. Alors, on avait déjà trouvé qu'il y avait 2 services sous le port 1000, que sur le port le plus haut, on avait du SSH, en effet, en 2222. On avait vu qu'il y avait une application web, parce qu'on avait voulu se connecter justement sur... Hop, sur ça. HTTP, hop... hop, on s'était connecté là, on a vu qu'il y avait une page par défaut et on avait fait un petit peu de GoBuster la semaine dernière et on a vu que si on faisait /simple, on tombait sur de mémoire CMS Made Simple, si c'est le bon truc. Pas de panique, le segfault c'est un bug de la version actuelle de Nmap, mais ça marche quand même. Ah, merci pour le tuyau, Chaos. Donc voilà, on avait CMS Made Simple et on s'est rendu compte d'un truc très sympa, c'est qu'en fait la page par défaut de CMS Made Simple, je vais vous le grossir un peu, hop, il y a écrit quoi ici? Il y a écrit le numéro de version. Donc ça c'est un équivalent de Hack Me Please, hein, j'ai envie de dire. C'est bonjour, voilà le numéro de version, tu peux aller chercher les CVE. Et donc, on avait vu une CVE. Hop, tiens, on va aller la rechercher à nouveau. Oh, tiens, j'ai laissé le truc par défaut sur Google ici. Donc, on va refuser. Hop. Exploit DB, CVS Made Simple. Et je crois qu'on en était resté là. parce que donc je faisais ça directement depuis ma machine et on n'avait pas très envie de lancer ce script Python là directement sur ma machine, ne sachant pas trop ce qu'il allait faire. Enfin, a priori, c'est un script qui doit exploiter une vulnérabilité de type SQL injection. Vous me dites hein, si jamais il y a des trucs que alors, j'ai cru comprendre que j'étais entouré de personnes assez éduquées sur le sujet, mais si jamais il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, vous n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour apprendre, et si jamais il y a des gens qui apprennent au passage, pour moi, c'est tout bénef. Donc a priori, on a une injection SQL qu'on va pouvoir essayer d'exploiter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bon copy. On va se remettre là-dedans. On va faire un écho dans... on va faire... comment il s'appelle ce bignou? C'est quoi comme CVE, on a dit? CVE, hop, allez. Alors, je vais peut-être le mettre en minuscule. CVE, hop, point PY, voilà, non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était un 4. Hop, voilà, on va reprendre ici, non, ici, on va copier et on va coller, voilà. On va quand même éditer le bignou. Alors, pourquoi je vais éditer le bignou? C'est parce que, en fait, je pense que sur le truc Python, on va peut-être s'en voir un peu. Alors, vu que c'est une Kali fraîchement installée, est-ce que j'ai un Python tout court? J'ai un Python. Est-ce que j'ai un Python 3? Ok. Si je fais un Python -v. Ah oui, c'est pas ça. Python -V. Python 3.10. Ok. Est-ce que j'ai un Python 2? Ouais, j'ai un Python 2. 2.7.18. Ok, cool. Donc déjà la première chose ça va être d'éditer le script à nouveau, et déjà on va lui dire ce n'est pas un Python tout court qu'il te faut, c'est un Python 2. On va même chmod plus x, hop. Alors bien entendu hein, je le fais parce que je suis dans une VM qui peut être dézinguée, c'est pas grave, j'ai juste un peu oublié d'en faire un clone ou d'en faire un snapshot. Au pire, bah, j'aurais juste perdu une heure. On va lancer le truc. Je pense qu'il va manquer des modules Python, je pense. Ah bah voilà. Alors, si je fais... Est-ce que j'ai un pip et un pip 3? J'ai un pip 2 peut-être? Non. Et j'ai un pip 3. Ok. Si je fais pip -, version, qu'est-ce qu'il me dit? Pip 22.2 from ULS... Ah! Apt search pipe. J'aurais peut-être dû commencer par ça en fait et le faire en prévision du stream, mais ça fait partie des joies. Python 3, Python 3. Est-ce qu'ils ont appelé ça Python 2 ou Python tout court? Il y a écrit Python tout court. Donc si ça se trouve, je peux peut-être faire un Python Python pipe peut-être. On va aller le chercher comme ça. Sudo apt. Ah, et puis en plus, je suis un peu limite en fait. Il va falloir que je remonte. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, vous aurez les commandes même en bas. Allez, apt search python. Python-pip. Non, il n'y a rien. Je suis pas un habitué de Debian en plus. Donc il y a un Python 3-pip. Bon écoute, on va tenter notre chance. Ah remarque, non, il va vouloir installer les trucs en... Il disait quoi exactement? Il lui fallait quoi? Nos modules termcolor. Oh bah écoute, il suffit de l'installer comme ça. On installe. Ah remarque, il y a écrit Python 3-termcolor. Je vais le tenter en Python... Non, non. Ouais. Bah en fait Maréchal, vu que c'est un Python 2, ça m'embête un peu. Ouais, et puis voilà, il est déjà installé en Python 3 en fait. Alors à moins que je tente le script en Python 3, sur un malentendu ça peut passer. Mais je pense qu'il va se vautrer et qu'il va falloir le convertir en fait. Ouais voilà, c'est ça. Hop, on va se manger des syntaxes erreurs sur tous les prints. Ben alors Haribo sudo apt install. Je crois qu'on a, je l'avais essayé tout à l'heure, mais je le retente. Python, parce que python-pip de toute façon. Voilà, il te dit qu'il n'existe pas. Et si je tente un Python 2, parce qu'a priori les packages s'appellent maintenant comme ça, il y a ça. Il ne reste plus qu'à modifier les prints, il n'y en a pas beaucoup. Alors Chris Harley, déjà bienvenue, ouais. Et en plus, je me demandais si... alors, le risque, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que les prints. Alors, Digitalez, tiens, t'as l'air de copier-coller un truc sympa. On va aller voir si ça passe dans ce sens-là. Ça passe ou pas? Non, c'est pas ça. Alors, le copier-coller entre les VM. Non, mais il n'y a pas de souci, pas besoin de t'excuser. C'est juste que je vois le first time chat, donc déjà bienvenue. Paste. Non, toujours pas. Bon, il va falloir que je le copie-colle. Bon, de toute façon, c'est github.com. Hein. Allez hop. github.com/. Hop. CVE. Ah oui, c'est CVE-2019-9053/blob. Master exploit.py. Hop, voyons voir ça. Python 3 version. Ok, cool. Ok, génial. Hop, on va le prendre en raw. Hop. Comme ça, ce sera plus simple. CVE étoile. wget, voilà, on va juste s'assurer que l'exploit, ouais, c'est bon, super, bah merci beaucoup Digitalez, hein. Et puis allons-y, hein, exploit.py, alors il fait quoi exactement? Alors, faut spécifier une target, ok, donc, -u, on va reprendre du coup notre, de toute façon en haut il y a écrit home pentestit, ça commence bien, hop. Et il va me falloir no cracking password. Alors là, on va voir un truc. On va voir ce que ça donne. Ah, mais en fait, il est en train de brute forcer à la con. Non. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, comment dire, il y a... On est dans une période, j'ai l'impression, au niveau de Python, où on sent que voilà, il y a une volonté réelle de se débarrasser de Python 2, mais il y a quand même toujours un existant, qui veut, enfin qui est toujours difficile à conserver en fait. Enfin à conserver. Un existant qui mine de rien est encore utilisé beaucoup plus que ce que je pense. Peut-être falloir que je hop, termine ça, hop là. Merci. Donc a priori, hop là, on trouve le truc. L'appareil trouve des choses, enfin l'exploit trouve des choses. Il a l'air rudement bien fait, hein. Alors, d'un autre côté, c'est pas comme s'ils n'avaient pas annoncé la déprécation depuis longtemps, hein. Ouais, ouais, effectivement. Mais ça fait de toute façon un moment qu'ils disent, va peut-être falloir arrêter, là, va falloir arrêter. Mais bon... Trouvez-moi une organisation qui fait du Python et qui a déjà réussi à porter tous ces codes Python 2 en Python 3. Enfin, c'est toujours la problématique avec le legacy. Et puis, quand bien même... Quand bien même, hein, c'est comme avec même tous les autres langages de programmation. Hein. Alors, pendant que ça tourne, on va peut-être jeter un œil aux questions. Donc, a priori, on a un mot de passe et il va falloir le fournir avec le ouais, ok. Donc, il y a un user flag qu'il va falloir qu'on cherche et qu'on voit s'il y a des choses intéressantes. Ok. Ouais, en fait, limite, les questions vont en fait nous diriger dans notre attaque. Et ça, je trouve ça assez cool. Je trouve ça très cool. Ah bah voilà, password. Oh punaise, c'est le vrai password ou c'est le salt du password? Parce que franchement, il est gratiné quand même. Alors, allons-y. Elle est où la page de login? Est-ce qu'il y a un truc genre... Je sais pas, si je fais un /admin, ça passerait? Non, j'ai... Hop, hop... Ouais. Alors, GnuPG qui nous dit, dans ma boîte, on avait tout migré. De toute façon, Pi2 est plus supporté, donc ça doit être requis pour un paquet de boîtes qui subissent des audits. Oui, mais comment dire? Je pense que même quand des boîtes subissent des audits, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. Hein, nous disons donc, username, admin@admin.com. Copie, hop, voilà. Et... Ah, remarque, c'est le username. Attention, c'est le username. Donc c'est Mitch, hop là. Et ensuite, le password. Hop, submit. Don't save. Ah, username ou password. On va retenter admin@admin.com, mais... Non, c'est pas ça. Alors par contre, on a un salt, ouais c'est ça, le H à mon avis, il va peut-être falloir le... Alors déjà, ce que je vais peut-être faire, c'est, hop, on va copier-coller ça. Exploit data.txt, allez, hop, voilà. Donc pour l'instant, j'ai quoi? J'ai le résultat du Nmap. J'ai l'exploit et j'ai le résultat de cet exploit lancé de façon bête et méchante. Oui, effectivement, ça dépend de ce qui est fait, ça dépend des domaines d'activité, des niveaux qui sont requis. Effectivement, l'auditeur engage aussi sa responsabilité, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on va aller craquer ce hash? Vu la tronche, est-ce que le H ne serait pas par hasard? Est-ce que ça serait pas par hasard genre du base 64? Si je tente un base 64 décode, non? Moins des décodes, ok. 4. Je disais exploit data.txt. Essayons de connaître le type. Le type du salt, salt. Ah, mais attends, si ça se trouve, en fait, c'est qu'il y a un... Ah oui, en fait, ça, c'est le hash. Et ça, c'est le salt pour déhacher le... Pour déhacher le password. Comment on peut connaître ça? Comment on peut connaître ça? Dans le domaine bancaire. El Kafou, oui, effectivement, le domaine bancaire, c'est particulier. Essaye peut-être sur un crack station. Hop là, alors je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que ça. Hop, crack station, allons-y. Hop là, online, password, crack, hash cracking. Ah bah allons-y alors. Enter up to 20 non-salted hash, one per line. Ah ouais, mais ça c'est des non-saltés. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un truc... Bon, on va le tenter, hein, mais vu qu'il me file un salt, je suis perplexe. Je suis perplexe. Non, c'est qu'il ne voit pas. Alors, soit hash identifier. Hop là. H-identifier. Hop là. Allons-y. Ah, bah c'est génial. Il y a même un format avec les salts. Nickel. Allez. On peut faire ça. Hop. Et ça. Alors. Possible algorithme. MD5. Plain text. Ok. Il me propose que ce soit du Joomla. Bon, on va le décrypter. Hein. Ah, bah, j'avais déjà le truc. Hop, bon, c'est pas grave, on va le retaper. Hein. Hop. Hop. Allez. Invalide captcha. Ah, oups. Ah oui, c'est quel captcha? Ok, alors, hop. Alors, pop, 1, Z, 2, A, U, T, W, hop là. Voilà, alors. Paye professionnel, paye professionnel. Ouais, ok, bon. Et B, tant pis. Par contre, on aurait H4. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc H4. Advanced CPI base bagua. Ok. Oui, effectivement, si c'est du MD5, avec un peu de chance, ça peut se trouver facilement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des exemples à la fin? Déjà d'une. J'aime bien quand il y a des exemples. Spécifique. Hashtag, attack mode, debug mode. Ok, non. Non, a priori, il n'y a que... Bon, on va devoir se farcir la page de manuel. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est que on va se mettre dans une autre... Hop, ici, à la place du man Nmap, un man H4. Alors, déjà, si je fais un H4 moins H, il me dit, tiens, voilà une aide. Ah! Sur ton terminal, il doit y avoir HID et HIdentifier, ce sont les outils Kali. Tout à fait, effectivement. On peut essayer ça aussi. Alors, HID, ça fait quoi? Hop là. Déjà, c'est du Python. Alors, sous quel format ça se met? HID differs de different types of hashes used to encrypt data, input, extended, -o file. Ok. Et tu m'as dit h-identifier. Hop, oula, pouf. Sauf que possible 1, nanana, ok. Donc on se dit qu'effectivement c'est du MD5. Mais je vais... Ah mais il me le refait à chaque fois. Ok. Est-ce que ce truc a une man page? Non. Et le grand H comme ça? Non plus. C'est un peu dommage parce que là, alors, si je tente comme ça, hop, possible H, ok, donc effectivement, et ensuite, H, on a dit H, ah oui, HID, à mon avis, il doit faire la même chose, parce qu'à mon avis, si je lui dis ça, il me dit, il analyse, ah bah oui, ça et... Ah mince, j'ai que le... Pour la doc de H4. Il l'analyse aussi comme ça. Ok, cool. HID, tu mets le H. Ok, ça je crois qu'on l'a vu. Mais ensuite avec la page de manuel, hop, alors. Donc, H4, allons-y. Déjà, je vais remonter, il dit quoi? Option H-File. Ah, il va me falloir le fichier en fait, il va me falloir créer un fichier. Alors, allons-y. 4, j'ai envie de dire, exploit data déjà d'une. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans h.txt, on va dire, et on va faire comme ça. À mon avis, il y a des chances que ce soit comme ça. Je vais le tenter comme ça, on sait jamais, sur un malentendu. Autodetect. Oh bah il a un autodetect alors. The H mode with M. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un mode. On va tenter en mode 10. Et on va changer, on va mettre un point. Hop. -M10 h.txt, hop là. Séparateur unmatched. Ah, donc ça va être le 2 points alors. Alors, ça a l'air d'être plutôt bon signe. Pure and optimized backend kernels selected, pure kernels can crack longer password. Si on veut switcher sur des kernels optimisés, faut faire -0 pour votre command line. Ouais. Soit. J'utilise vieille et j'utilise pas la commande R. Ah bah écoute, c'est tout le monde ne connaît pas toutes les commandes de vieille. Est-ce que j'ai loupé des trucs pendant ce temps-là? A priori non. Alors, c'était STDIN mode, mais mec, je t'ai filé un fichier. Ah, trouverai des choses. Non, qu'est-ce qu'il dit? Kernel feature, guest base. Read timeout. Ah, mais d'accord, c'est qu'en fait, il veut le mettre en stdin. Non. Ok, alors. Dans ce cas-là, 4h.txt, pipe. Pouf, on va le mettre comme ça. Hein. Par contre, il voulait me faire une histoire d'optimisation. Tiens, je vais la tenter quand même. Non, ah bah. C'était pas ça. Bon. H4, H. Ah oui, d'accord. Donc en fait. Hop. Comme ça. Allez. Alors, à moins qu'il le veuille, il veuille que je lui donne à manger. Comment ça? Je vous fais grincer des dents. Alors, dites-moi exactement. Non, j'essaie de lui... Bon, sinon, ouais, effectivement, on va aller sur l'internet. Hop. Je lance un deuxième. J'aurais préféré lancer un. Ouais, bon, tant pis. Allez, hop. H4, O2. Hop là. Et pendant ce temps. Ouais, bon, d'accord. Hop. Je sais pas me servir de H4, donc allons-y. C'est juste une histoire de syntaxe, de toute façon. Mais je m'en fiche de ça. Hop là. Alors. Ah oui, ok. Echo, -n. Ok, d'accord. Ah oui, non, ça c'est pour des exemples. Ah, ouais, ok. J'aurais pu faire R. Ok. Ok, d'accord. Non, mais c'est toujours bon à prendre GnuPG, le type. Ou alors avec une wordlist RockQ. Effectivement, ça peut se tenter avec une wordlist. Mais faut-il encore que je lui dise... Ah oui, d'accord. Là, en fait, il balance dans des hash. Ok. Et ensuite, il faut checker les passwords. Donc, tu fais un cat. Ok, tu as des hash. Et ensuite... h4-h. Ok. -m the hash type. Et -a attack mode. Ah, j'ai pas fait le -a attack mode, en fait. H4 -1 cracked.txt target hashes. Ok, on va peut-être le tenter comme ça, de façon bête et méchante. Donc, hop là, H4. Alors, bon, j'ai cru voir un -M10, mais ok. -A, -0. Ok. -O. On va faire crack.txt aussi. Et donc celui que moi j'ai fait c'est h.txt. Ok. Et pour le moment, si je fais juste ça, il me refait une attaque en std in mode. Ok. Ah si, il me propose la target quand même. Est-ce que c'est dans cet emplacement-là que j'ai mon rockq.txt ou pas? Non. Hop, oula, rockq.txt.gz, voilà, c'est pour ça. Allez, on va faire un z4 de ça, et on va le mettre ici, rockq.txt, pouf. Ça va durer un peu, j'aurais peut-être pu carrément rediriger la sortie vers autre chose, mais on en est déjà à la lettre R, donc ça va. En tout cas, j'espère que... Combien de temps il me reste d'ailleurs? Je suis en train de me dire. Combien de temps il me reste? Il me reste 20 minutes. Il me reste 20 minutes. Je suis pas dans la merde. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire un -w .rockq.txt. Gna gna gna, pari must be a number. Ah, ok. Hop là. Moins crack, moins double. Hop là, avec un C en moins, moins W. Allez. Invalide argument, moins crack. Oh là. Comment ça y est? Alors attends. Sur le premier script, comment ça sur le premier script? Mais tu peux ajouter encore une heure. Ok, bah écoute, on pourra toujours essayer quand on sera à 2 minutes de la fin. Moins W. Alors. Celui que j'ai récup de GitHub. Ah, je peux mettre... Ah oui, effectivement, celui que j'ai récup de GitHub. Si je fais un ./exploit.py, il me dit... Spécifier une alerte. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est reprendre... Hop. Ouais, bon, il était là, en fait. Je me mélange les pinceaux dans mes terminaux. Hop. Et l'autre ensuite il dit moins crack moins W. Ah ok, allez. Moins crack moins W et on va utiliser le rockq.txt. Hop là. Allez, c'est reparti. Pendant ce temps-là, sur le principe, moi j'ai bien envie d'essayer de maîtriser un peu plus H4, parce que ça a l'air d'être quand même un outil assez, assez intéressant. Alors, token length exception, donc je pense que c'est le -10 qu'il faut que je mette. Voilà. Ensuite, status, pause, bypass. Ah, d'accord, il continue. Il a déjà fini, lui. Et lui, pendant ce temps, il tente des choses. Ok. Alors, status exhausted. H mode 10. A priori, ça lui a pas plu. A priori, ça lui a pas plu. Il n'a pas trouvé le, bignou. Hop là. Il n'a pas trouvé le bignou. Mais au moins, le H4 s'est lancé. Il n'a pas pu H4. Ouais, enfin, il s'est lancé, mais bon, il n'a pas pu... Donc... Est-ce que... Est-ce que par hasard, je me serais pas trompé dans le... dans le mode. Donc le format, ça devrait être 1. Ah, c'est peut-être parce que j'ai fait un M. Un dictionnaire. Ah non, ça c'est la outfile format. Ok. Pendant ce temps, il en est où l'autre Ah. Hop là. Merci beaucoup pour le follow, Camomille26. Merci à toi, c'est très gentil. Alors... Ah, il y a plein de trucs, effectivement. Alors, on va remonter, Je suis tenté de vouloir rechercher... Alors, attends, c'était quoi leur truc? Ouais, là, il y a des... Ah, il y a des H-mode. Donc, 0, CMD5, ok. Ouais, donc je me suis planté, en fait, dans le mode. Je vais le tenter en 0, même si je suis pas convaincu. Hop, je vais remonter ça un instant, voilà. Puisque de toute façon, moi, je prends TXT, il ressemble à ça. On va le tenter, allez. Donc, je disais ./RockU. Ça, c'est juste le hashes h.txt. Et on le laisse comme ça. Ouais, c'est ça. Hop, mais on l'avait déjà fait, en fait, l'erreur. Donc il faut juste que je trouve le mode qui va bien. Et le mode qui va bien... Ah bah oui, pourtant mode 10, on l'a tenté. On va tenter le mode 20. On sait jamais sur un malentendu. Merci beaucoup pour le follow. Je m'appelle Alex. Alors, en parlant de pelle, c'est une référence au Fossoyeur de film. Donc il tente un truc là, a priori. Pendant ce temps, lui, il s'est craché. Il s'est craché. Non, non, jeu de mots. Ok. J'aime... Ah oui, j'aime, m'appelle, je m'appelle. Ok, ça y est, je l'ai. Pas mal, pas mal. Pas mal. Sinon, il y a quelqu'un qui avait soufflé un truc, je crois, qui s'appelle Cyberchef, non ? J'essaie de retrouver, si c'est bien ça. Hein. Ça, on est où d'ailleurs le temps qui me reste là-dessus? Il me reste 13 minutes. On a dit cyberchef. Ah bah j'y suis. Donc en gros il n'y a plus qu'à lui donner le truc et il est en mode vas-y je fais ma vie. Ah non, il faudrait chercher MD5. MD5. Et en... Okay. Ah il l'a craqué. Il l'a craqué. Donc c'était bien le mode 20. Et alors, quel est le... Ce serait secret. Donc, Mitch secret. Alors, je vais le taper. Ouais, c'est ça. Voilà, on y est. Secret. Ok. C'est... Bon, à mon avis, c'est vu que le truc est fait pour être simple, hein, ce CTF-là. Donc, a priori, le mot de passe, ce serait donc secret. Eh, merci, KMHQ. Hop là. Ouais. Allez. Où est-ce que je peux me loguer avec les détails obtenus? Answer format, il y a 3 caractères. Bah, je peux me loguer sur la page d'admin. Alors si je tape CMS, ça le fait. Ah non, c'est pas ça. Ou alors CMS en majuscule. Non plus. C'est pas ça. Je pourrais me loguer en SSH là-dessus? Non. On va le tenter, hein. Ah, plus lié au port, tu penses? Ouais, non mais c'est vrai, en 3 caractères, j'aurais tendance à dire SSH. Alors, Mitch, at... Ouais, hop. Non, non. Et donc, il y a un user flag maintenant. Cat user.txt. Hop là. Non. Y a pas... Attends, c'est quoi le shell là-dessus? Non, j'ai $shell. binsh. Ah, voilà, bash, c'est mieux. Dans la foulée, il faut essayer le sudo. Soyons fous. Non, 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 non. Remarque, je suis en bin bash, mais si je fais ça, que je fais sudo -i. Non, ça va. C'est... Ah bah de toute façon, oui. D'accord, allez. Allez. Sudo, ouais. Pas mal, El Kafou. Allez, user.txt, good job, keep up. Ah, c'est gentil, un petit encouragement, moi ça me fait plaisir. J'avoue, le craquage du mot de passe, il était un petit peu... Alors, est-ce qu'il y a un autre user dans le home dire? Ah oui, c'est bon à savoir ça, tiens. Hop. On a Sunbath. Hop. Ok, on avance. What can you leverage to spawn a privilege shell? Ah, c'est une excellente question. Est-ce qu'on a un petit... Alors, on a un kernel 4.15. Et c'est une machine i686. Est-ce qu'il n'y aurait pas des exploits kernel là-dessus? On n'aurait pas un GCC, un truc qu'on peut... Oh punaise, on peut compiler. Oh là là, on peut compiler. C'est pas garanti qu'en moins de 10 minutes, j'arrive à poncer le truc. Il me reste 2 questions. sudo-l. Ah oui, bonne question. Bien vu, sudo-l. Alors. Oh non, Vim. Non, non mais alors ça. Non mais alors ça. Ça, c'est juste... Ah, punaise. Ça me rappelle une histoire. Je sais pas si j'ai trop le droit de vous la raconter, mais j'ai déjà vu un truc de ce genre-là, en fait. Pas un Vim, mais un truc de ce niveau-là. Oui, on est d'accord, Paradox. On est d'accord, Paradox 3. Je peux lancer un SSH depuis Vim. Mais donc, on peut utiliser Vim pour le spawn. Ah, punaise. Du coup, je peux faire... effectivement sudo vim / etc sudo earth hop Mitch all root no pass wd et eh ben on peut le remplacer puis mettre all en fait hein, si je me rappelle bien. Hop, attends, ça tu dégages, voilà. Si je me rappelle bien, c'est ça, hein. Allez, on va mettre all ici. Ah, warning, read only file. Wow, j'ai fait un sudo, ça aurait passé. Voilà. Et voilà, me voilà route. Oh, punaise. Ah, c'est... Et quel est le root flag? J'imagine que le root flag est là. Root.txt. Voilà. Allez. Pouf. Well done, you made it. Ah, c'est gentil ça. Ah, punaise. Et il me reste 7 minutes. Eh bien, merci à vous. Merci, parce que franchement, je pense que j'aurais bien mis 2 heures de plus si j'avais été tout seul. Donc, grâce à vous, j'y suis arrivé. C'est génial. Ah, franchement, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. C'était sympa. Franchement, ce petit Simple CTF, là, je suis assez content de moi. Ah, merci, merci, c'est gentil. Bon, leave feedback. Un feedback. J'ai envie de dire... L'injection SQL, c'était sympa, j'ai bien aimé. Le hash cracking, c'était un petit peu chaud. Hop. Voilà. Bof. C'est pas maybe, c'est je suis un noob. Hop. Allez. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres qui sont simples, hein, histoire toujours de... Allez, 5 minutes. Je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Corridor. Alors. Déjà, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être... Exit. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir la terminer. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut chercher des trucs? Alors, si je reviens dans mon pro... Oui, bah la machine va expirer, mais c'est... Je l'ai éteint. Hey, merci pour le follow. Notre streamiser. Merci à toi, notre streamiser. Bloc. Complete a question every day to build your hacking streak. Ok. Ok. Alors. Et merci Floflo15 pour le follow aussi. C'est très 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 gentil à toi. Merci, merci. Mon dashboard. Donc j'ai réussi. J'ai complété un truc. Progrès 2%. Ok. Alors, où est-ce que je peux... Si je fais resume learning, il va me dire quoi? Il va me dire d'aller voir des trucs à la con. Ah ouais, ça c'est tous les trucs avec les questions qu'on a voulu faire l'autre fois. Mais on s'est dit qu'on allait... Voilà. Alors... Learn puis search. Ok, learn, hop, et puis search. Ok, cool. Et donc, il y a quelqu'un qui avait proposé un truc qui s'appelle Corridor, c'est ça? Parce que alors, attends. Là, il y a un truc. Tiens, ça peut être marrant, ça. Parce que finalement, je me rends compte que je suis rouillé sur Nmap. Ça pourrait se tenter, non? Ou alors, t'avais dit Corridor. C'est quoi, Corridor? C'est le nom d'un CTF, hein? Corridor. Can you escape this corridor? Easy. Security IDOR Web. Ok. Et alors, j'avais vu celui sur Nmap. Et qui est easy aussi, a priori. Cette machine est pour uniquement du scan. Vous n'avez pas besoin de vous loguer ou d'exploiter une des vulnérabilités. Ah, ok. Ok. Oh, ça peut être marrant, tiens. Et celle-ci, c'est quoi? Donc... Bon, on va l'essayer, tiens. On va l'essayer. Par contre, il faudra que je me garde, sous le coude. Il n'y a pas un truc du genre mettre des bookmarks sur des rooms? Je vais me la bookmarker ici, en fait. Je vais me créer un truc genre... allez, add folder. On va faire un TryHackMe. Voilà. Voilà, TryHackMe. Hop. Et ensuite, on va vouloir le mettre ici. Et on va le mettre dans... Choose. TryHackMe. Hop. Voilà. Comme ça. Hop, ça pourrait être sympa après. Bon, bah, on va la lancer. De toute façon, je sais pas combien de temps il me reste. Join room. Ah, d'accord, il y a une... to access... you need to join this room. Ouais, ok. Bah, si je fais start machine... Ah, il faut que je join les room. Hop. Allons-y. Je pense que tu passeras à Nmap rapidement, elle est super rapide. Ok, bah écoute, on verra si, s'il me reste. Parce que je stream généralement pendant 2 heures, et là ça fait 1h10, 1h15 qu'on a commencé. L'idée c'est que je termine pour 20 heures. Allons-y. Alors, on se trouve dans un étrange corridor, est-ce qu'on peut trouver dans ce challenge? C'est quoi IDOR Vulnerabilities? Alors, avant de lancer le truc, je préfère... hop. Insecure Direct Object Reference. Qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre, hein. Honnêtement, je découvre. Alors, qu'est-ce que c'est? Insecure Direct Object Reference, type of access control vulnérabilité. Ouais, le terme IDOR a été popularisé par son arrivée dans le Top 10 OWASP 2007. 2007, waouh. Ça fait longtemps, ça. Cependant, juste un exemple de menu. Alors, un exemple, considérer un website. Alors là, tu vois le truc là et tu te dis, tu peux mettre plein d'ID en fait. Ouais, c'est ça. Et oui, et puis du coup, ouais, tu fais ça. Ok, je pense que j'ai compris ce que c'est. Bon, bah allons-y. Hein. Ah mais attends, il n'y a qu'une seule question et qui est... What is the flag? Ok. Elle est en difficulté easy. Ok. Honnêtement, là, je flippe un peu, mais bon. C'est censé être facile. Il est où le... Ah, faut que j'attende que l'IP sorte. Faut attendre que j'ai l'IP. Alors. Ah, ça, il n'y a qu'une tâche. Hein. Ouais, il n'y a qu'une tâche. Hop. On pourrait hacker TryHackMe pour avoir l'IP avant les 60 secondes. Alors à Haribo, je pense qu'en fait, si ça se trouve, ça fait partie des choses que les personnes qui payent, qui ont l'abonnement premium, ont. Je serais pas surpris que ce soit un truc justement fait pour... Hop là, alors, copier. Allez. Enfin, perso, je comprends, hein, d'un autre côté, tout ça, ça à développer, ça doit prendre un temps fou. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être couper mes onglets, là. Hop. Je vais juste me garder celui-là en... Hop là, en bookmark. Peut-être pas dans TryHackMe, on va le laisser dans la toolbar. Hop, on sait jamais, sur un malentendu. Hop, hop, donc ça, hop. Il veut pas. Alors... Ah, c'est parce qu'il a voulu faire de l'HTTPS. Et je vais voir le message après. Hop. Non, j'ai dit HTTP, pas HTTPS. Ah, il renvoie vers de l'HTTPS? Non. Je suis gouré ou quoi? Ah non, il me renvoie vers... Bizarre cette affaire. Nope. Port 80, connection refused. Ouais, je pense qu'on va repartir sur un Nmap. Hein. Alors, il me dit à dire corridor. Alors, Shifood, hein. Tiens d'ailleurs qu'on avait salué parce que il avait follow first time chat. Non, c'est pareil en premium, c'est surtout pour que la machine puisse booter. Ah oui, effectivement. Bien vu, la machine qui boot. Ceci étant, il pourrait peut-être mettre des conteneurs. Ça irait plus vite. Hein. Enfin, peut-être. Je dis ça, mais je... Mais non, pas grep Nmap. J'ai oublié mon grep. De toute façon, je peux le remettre. Je peux me remettre ici, en fait. Voilà. Et on est reparti. On va juste pas scanner la même IP. Hop. Et ben écoute, moi non plus, HID, je connaissais pas. Hop là. Alors. Donc, voyons voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Bah si, il y a un port, il y a un port 80 pourtant. Il y a un port 80. Ah bah si, il y a un port 80, donc j'ai dû me planter dans l'IP en fait. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il y a juste un port 80. Ah bah voilà. Bon, ça se trouve, c'était effectivement le temps de lancer le serveur web ou un truc. Alors là, c'est chelou. Ah oui, d'accord, j'ai pas le truc en entier. Alors, ce qui m'embête, c'est que si je fais genre ça... Ah, le chat a l'air lisible. Vous me dites hein, si le chat n'est pas lisible. Alors du coup, par contre, il y a le... Il y a le... Comment dire? Il y a tout l'overlay qui vous prend des trucs. Donc si jamais vous voyez pas certaines choses... Ah, ok. Et ensuite, on a... des choses. Et donc, le but, c'est de sortir. Si je reviens sur le truc, il dit quoi? Quel est le flag? Et on a... Ok. Examiner les URL et on dirait des valeurs hexadécimales. Et ça ressemble à des hash. Ok. Non. Si je vais dans chaque porte, à chaque fois, j'ai un truc... C'est tout différent à chaque fois? Attends, 1, 2, 3... 4... 4... Ah, punaise. Bon, alors du coup... Copier le lien. Et puis... je vais plutôt faire hashes.txt. Ouais, en fait, hop. Attends, je l'ai pas. J'ai rien mis dedans? Bah, pourtant, si, j'ai fait. J'ai rien mis dedans. Ah, j'ai fait un CTRL-C. Ah là là. Hop. Ok, donc là, j'ai un premier hash. Là, j'en ai un deuxième. Là, j'en ai un troisième. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'ai la porte au centre. J'ai rien là en bas. Est-ce qu'ils n'auraient pas mis sur les reflets? Non. Au plafond non plus. Donc ça, c'est celle du centre. Curl pipe grep HF sinon. Oui, effectivement, c'est pas con. C'est pas con ce que tu dis. Hop. Ouais. Ah oui, j'ai un area target. Ok. href égale. Et du coup, je peux faire pop, pop, un petit hook. Hop. Et dans ce hook, je peux vous dire... Alors, ce sera 1, 2, 3... Print. On va faire un $3. Et donc, j'en ai 1, 2... Le code source, ça va plus vite. Ouais, effectivement. Alors, pour toi, tu ferais un pipe grep moins O A href. Ah, on va le tenter, tiens. Ça me plaît bien, ta possibilité. Mais non, c'est pas... Ah, punaise, il va falloir que je le réécrive. Ouais, c'est vrai. Allons-y, grep moins O. Hop, href égale... Et on met point étoile, hop. Ouais, cool. C'est cool ça. Et on peut faire un hook. Print, on va faire un print de $1, hein, je pense. Non, il n'en veut pas. Fichtre. Qu'est-ce que j'ai... Ah, mais c'est parce que j'ai mis un hook print ici. Hop là. Voilà. À la louche, 4-D. Ah, ça se tente, effectivement. Alors, attends. Déjà, je refais ça. Pipe cut-D. T'as mis des double quotes. Et t'as mis ensuite... T'as remis un double quote. Ok. Il n'y aura pas à échapper. Moins F2. Ouais, si, il me... Ah, il me... Non, simple, double, simple. Ah, ok. Simple, double, simple. Eh, hey, nice. GG. Hop là. Là, j'ai assez vite tendance à sortir Hawk. Hop. Et on en a 13. On en a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, cool. Donc maintenant, on a des haches. On a des haches. Est-ce que... Alors, on a HID, qu'on avait utilisé tout à l'heure, hein, si je dis pas de bêtises. Hop. Bon, à chaque fois, ils ont l'air de dire ça peut être du MD5. Hein. Attends, je vais quand même revérifier le... En tout cas, merci à Haribo hein, pour les coups de main. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Non, tout le sur le titre password. Ouais. Remarque, je pourrais faire le HID comme ça. Point slash his.txt. Ouais. Merci beaucoup pour le follow, Gnimo. Merci à toi. 10% de ton taf consiste à filtrer STD out à Haribo. Alors, c'est pas mal, j'aime beaucoup. 10% de ton taf consiste à filtrer STD out. J'aime à penser, je crois que c'était Emile. Si vous ne connaissez pas EmileNB sur Twitch, avec qui j'ai bossé pendant un temps et qui disait que notre métier, c'était maintenir un petit bout d'internet. Donc, si je retente ma chance en me disant que c'est peut-être du MD5 sur... on va retourner voir où est-ce que je vais aller. Donc déjà, il va peut-être falloir qu'on refasse un... on va le tenter comme ça, tiens. On va tenter ça comme ça. Hop, et... Haribo, c'est un petit artisan bâche. Des scripts moulés à la main. Tout à l'heure, j'ai testé un site. Il va être utile encore une fois. Non, c'était pas Crackstation. C'était quoi que j'avais utilisé? Attends, ça c'est fermé. Ça c'est bon, on a vu. Ça on a vu. Ça on a vu. C'est pas Crackstation. Cyberchef. Ah oui, Cyberchef. Ça se tente, effectivement. Si on le cherche... Ah oui, on peut lui donner les inputs. Et ah bah tiens, il a craqué entre-temps. Entre-temps, il estime les avoir craqués. Alors... 1, 12, 11, 13... Ah, il donne des numéros. Ok. Alors si je tente là, hein. Merci beaucoup, Broski, pour le follow. Merci à toi. Et oui, effectivement, El Kafou à Haribo a utilisé Cut. Je vais tenter celle-ci, tiens. La 1. Allez. Hop, Corridor. C'est ça, je pense que si ça se trouve, il faut que je les ouvre dans l'ordre. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on peut peut-être faire un sort. Alors j'ai un doute. Ce serait moins K2 si je me rappelle bien. Sort moins R reverse. Non. Non plus. Bah zut alors. Alors, sorte moins R moins K, sort via key dev give location and key -t. Ah moins fi. Ah oui, effectivement, parce que c'est pas un blanc pour le séparateur. Bien vu, Haribo, tu m'apprends plein de trucs ce soir, hein. Tu me fais retourner à l'école. Donc sorte, je vais faire un, allez, 4, sorte, donc moins T, on va peut-être mettre entre des côtes le 2 points. Ouais, et en frais, on rajoute un moins N, et voilà, 1, 2, 3, voilà, nickel. Alors, Donc là, j'ai fait celui qui termine par 49B. Donc c'était le 1. Donc maintenant, on va faire le 2. Et ensuite, on va faire le 3. Remarquez, je serais tenté de vouloir les faire via curl, mais en fait, je suspecte qu'il y a un élément graphique. Qui fasse qu'on ne le verra pas. J'étais à laquelle là, 21-22C. Ok, 4. Alors, désolé, du coup, je fais des alt-tab dans tous les sens. Ça doit un coup flasher. Un coup... parce que franchement, le truc est blanc. Bien de chez blanc. Donc là, on a fait la 5. Maintenant, la 6. Et la 7. Oups là, elle ouvre pas le bookmark. Voilà. Ensuite, la 8. Voilà, la 9. Au final, tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas de séquence et c'est juste la 13. C'est peut-être le cas, effectivement. Donc là, on a fait la 10. La 11. Allez, on y croit. Voilà, et la 13. Et la 13 est la même. What the... Tu viens d'ouvrir toutes les portes, où est la porte cachée? On essaye avec le H de 0 ou de 14. Effectivement, un Haribo. Bien vu. Bien vu. Alors déjà, on va essayer de retrouver quel était exactement le... Donc c'était bien un HMOD 0 MD5. Donc si je fais un MD... Si je fais un 4... si je fais un écho... 0 pipe MD5, non pas Medusa, MD5 sum hop. Ah, moins N. Ah, bien vu. Oui, le H n'est pas le même, effectivement. Et on vérifie avec 1. Ah, futez le Haribo, hein. Donc ça nous fait 849B. 849B. Donc bien vu, écho moins N. Le petit détail qui a son importance. C'est franchement bien vu. Hey, le flag. Alors moi je dis GG à Haribo. Parce que là franchement, c'est toi qui as fait le CTF, Haribo, là. C'est toi. Hein. Moi j'ai rien fait là. Franchement... Franchement là, hop, copier, coller. Franchement, je devrais dire... Et au fait, j'ai eu... Congratulations. Franchement, c'était marrant. Moi, ça m'a bien botté quand même. Int, qu'est-ce qu'ils disent dans les ints? Où est-ce que les doors... Est-ce que les portes vous emmènent les... Pattern, ok. Merci El Kafou, hein, mais ouais, surtout GG à Haribo. Franchement, c'était pas mal. Et finalement, vous voyez, on l'a fait en presque 20 minutes. Allez, terminate. Hop. Salut à toi, Soka. Bienvenue. Bon, Donc celle-ci c'est faite, bah finalement on va peut-être tenter la Nmap. Hein. Non, pas le H4, je voulais pas le tutoriel à H4, je voulais le... Hop. Salut RiskJack, bienvenue à toi aussi. Alors... Hey, merci beaucoup pour le follow de Colbyte. Merci à toi. Alors, du coup, on va peut-être pouvoir revenir sur, sur une taille de navigateur qui est hop, normale. Pas de souci à Haribo. Alors, en tout cas, bienvenue de Colbyte. Alors, on va tenter la Nmap, hein, on ne sait jamais. Ça va être l'occasion pour moi de réapprendre Nmap. Donc, join room. Quelle heure il est? 35. Hein. Vous pensez qu'on peut la faire en 25 minutes? Ça se tente, hein. Au pire, on la terminera une autre fois. Hein. Après, honnêtement, je pense pas forcément refaire du CTF dimanche prochain. Et là, tout de suite, tout le monde va se déconnecter. Ouais, moi aussi, je découvre The Callbyte. Ça a l'air sympa. Je suis assez d'accord. Allez, go. Soyons fous. Donc celle-ci s'appelle Nmap. Allez. Ah oui. Allez. Donc. Press the green button to deploy the machine. Bah, c'est ce qu'on a fait. Donc. THM source. Salut à toi Elisoft. Qu'est-ce que tu veux dire par THM source? Alors, cette machine est unique. D'accord, il n'y a pas besoin de se loguer ou d'exploiter des... D'accord, ok. Deploy de attached VM. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, introduction. Alors, knowledge is power, ok. Ah oui, d'accord, il y a un joli pavé de texte qui nous explique que, en gros, voilà, on a les numéros de port, ok, blablabla. Ah. Ouais, faut quand même lire le pavé de texte. Bon, je suis encore tombé sur les, je suis encore tombé sur les trucs. What networking constructs are used to direct traffic to the right application on a server? Bon bah, on va le lire. Hein. Alors, juste au cas où, qu'est-ce qu'ils disent? No answer needed. Bon bah, compléter. Voilà. Au moins j'ai fait 2%. Hop. Ensuite. Donc, on se donne une adresse IP pour faire un audit de sécurité. On veut avoir une idée du, du périmètre qu'on attaque. Web server, Active Directory, ok. Map of the landscape, port scanning, one computer, nanana. Sur un port. Et, ah bah c'est d'accord, ce qu'ils appellent le networking construct, c'est le port. Ok. Au pluriel en plus. Hein. How many of these are available on any network? Enable 65 535. Ouais. Et combien sont considérés comme étant well known? Eh ben, je sais plus, je crois qu'il y en a un petit millier, non? Alors. Tiens, c'est bizarre, il le précise pas dans le truc. Je pense que c'est dans le. C'est pas dans le MAM de Nmap. Ouais, je me demande si on n'a pas 1024 en fait. Ah, je crois que j'ai oublié. Well known case. Ah non, c'est pas ça. On va tenter 1024, on va bien voir ce que ça donne. Oui, 1024. Donc bien joué ThePenguin22 d'ailleurs, salut à toi. Merci de nous avoir rejoints. Allons-y, Nmap switches. Alors, Like Moon Pestin. Oui, bah oui. Alors, pour l'anecdote, il existe hein, une version graphique de Nmap. Mais en fait, en gros, elle s'appelle Nmap. Et c'est en fait, au lieu d'utiliser la ligne de commande pour dire je fais les options machin, c'est juste des boutons et des champs texte en fait. Hein. C'est. Donc il y a des versions, oui, bah oui, Nmap, et oui, effectivement. Ok, donc Nmap, ok. Feu par des switches, des ok. Tout ce qu'il y a besoin pour le Nmap.h. Ouais, ok. Je suis assez d'accord avec toi, Richjack, mais je le dis pour que, comment dire, c'est plus pour... tu vas utiliser le même Nmap. Mais oui, généralement, on utilise Nmap avec le terminal. Mais c'est juste que sur d'autres environnements, bah, typiquement Windows, je suspecte que les gens soient moins à l'aise avec le terminal. Alors, quel est le premier switch listé dans le Help menu for a SYN scan? For a SYN scan. Bah, SYN scan, c'est celui-ci. Moins SS, ouais. On remarque, je fais systématiquement un moins petit s, moins grand s. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Bah, c'est moins s grand U hein, pour un UDP scan de mémoire. Voilà. Ok, jusque-là, tout va bien. Je me rappelle du man. Si je veux détecter quel est le système d'exploitation, bah, il y a... c'est un moins... hop, on va le chercher, mais je crois que c'est un moins... l'OS Recognition, punaise, je le rappelle. Ah bah voilà, non, non, ça c'est pour la version des services. Mais pour le OS Recognition, il n'y avait pas un truc genre moins... ah voilà, moins grand O, ok. Tout à fait, Rizjack et Turbo Droitard, d'ailleurs bienvenue à toi. C'est bien moins grand O, tout à fait. Nmap fournit un switch pour détecter la version, oui, on l'a vu passer, c'est moins SV. Ça fait partie de mes réflexes quand je fais un scan Nmap, moins petit s grand s, moins petit s grand v. Donc en TCP, et je cherche les versions. A noter que la détection de du système d'exploitation, elle est, comment dire, elle est pas toujours ultra, comment dire, elle est pas toujours ultra fiable. Pour peu qu'il y ait un bon firewall en face, le truc, il va avoir du mal à détecter, et il va vous proposer des trucs ultra génériques. La sortie par défaut fournie par Nmap, comme on écrit, bah, moins V, hein, comme beaucoup d'outils. Verbosity level 1 is good, but verbosity level 2 is better. Comment on l'augmente? It's highly to... Ah bon, bah, ça va être moins VV, je suppose, alors. Hop là, ok. On devrait toujours sauver... Oui, effectivement. Donc on a besoin de faire qu'une fois, effectivement. Comment faire pour sauver dans... Ah, dans les trois... Ah, on peut le faire dans les trois formats d'un coup. Oh. Il y a moins O quelque chose, moins petit O quelque chose. Et... Ah, moins OA. Ok. Pratique. Pratique. Celui-là, je l'apprends, vous voyez. What switch would you use to save the Nmap result in a normal format? Bah, moins ON, je l'ai utilisé tout à l'heure. Et pour un grippable, moins OJ, Original Gangstar. Salut, ça se passe bien? Bah écoute, viewer casu, ça se passe très très bien. J'ai eu des gens qui m'ont aidé à faire des CTF. Ça s'est passé super bien grâce à eux. Je pense à Digitalez, je pense à Haribo, qui a fait une petite pause, je crois. Je sais plus s'il est encore parmi nous. Hop. Mais... Et puis, il y avait tous les gens sur le chat, quoi. Vous avez été d'une aide formidable. Hop là. Alors désolé, j'ai peut-être pas forcément retenu les noms des autres. Ah si, si, t'es revenu, ok. C'est t'es comme une autre personne, peut-être. Il faut peut-être te dire ton nom 3 fois pour t'invoquer. Alors, parfois les résultats sont pas suffisants. Si on n'en a rien à faire sur... Ah oui, Woodward. Aggressive mode. Short-term attendance service détection opérative. Ah bah c'est moins grand A, hein, on l'a appris. Je sais plus grâce à qui tout à l'heure, mais on l'a appris. Je me demande si c'était pas Xavier ou encore Haribo. Je me demande si c'était pas... Ouais, je crois que c'était Xavier. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat et dire hey, « Eh, Nils, tu m'as oublié. Hein. » Il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne sais pas si les moutons ont une mémoire particulièrement comment dire, élevée ou peu élevée. Ce serait marrant de dire j'ai une mémoire de mouton. Nmap propose 5... Oui, effectivement. Le timing va moins T5. Alors, faut éviter, je crois, paraît-il. Ou en tout cas, sur TryHackMe. On peut choisir... Bah oui, alors pour faire un... Eh bah, c'est moins, moins P80. Voilà. Comment on fait pour les scanner? Bah, c'est moins P. Et puis, 1000-1500. Hop. Bon alors ça va bien 5 minutes mais j'aimerais bien faire des scans maintenant. Comment on fait pour tous les sports, tous les ports pardon, pas tous les sports, tous les ports. Moins P tiret. Voilà. Et comment on active un script? Ah oui les scripts NSE. Script can c'est moins SC. Ok. Ou alors ah, moins script, en fait. Moins script égale. Alors, c'est juste quand... Non, pour... Ouais, c'est ça. Et comment activer tous les scripts dans la catégorie vuln? Et ben, il doit y avoir un truc du genre... moins script, comment... Ah, donc en fait, c'est la même chose. Hop. C'est la même chose. Voilà, et on met vuln. Voilà, cool. Ah oui, le CTF, c'est man and map, en fait, quoi. Ouais, effectivement, El Kafou, c'est un peu ça pour le moment. Mais en tout cas, c'était les premières tâches. Nous avons complété 44% du CTF. Ok, juste à apprendre les options, enfin les arguments de Nmap. Et tu googles en parallèle. Apparemment, les moutons ont une bonne mémoire. Et ben, je ne leur fais pas honneur. Je ne leur fais pas honneur. Picker22, ça va plus vite avec le man. Effectivement. Alors, maintenant, on va scanner. Ok. Donc, effectivement, on a oui, le moins ST, le moins SS et moins SU pour les UDP. Ah oui, le sign alpha open pour le moins. Oui, c'est vrai que je, fais toujours un alpha open. Je fais pas un connect classique. Et il y a des trucs TCP null scan, fin scan. J'utilise jamais cela. Alors, la plupart de ceux-là sont utilisés, mais... Read de scan. Ouais, ok, c'est fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on... Oh, punaise. Oh, ça y est, ils nous refont le TCP handshake. Allez, tout va bien. Le three-way handshake, voilà, ok. Il faut qu'on... Ah oui, mais on avait voulu laisser... Ça aussi, c'est pareil, c'est un beau pavé de lecture. On avait voulu faire ça la semaine dernière. As a brief recap. Alors, three-way handshake consiste 3 oui, bah, étages, blablabla, sin, hack. Ok. Y a quelqu'un qui a besoin que je détaille ou pas? Sin, hack. Si jamais c'est pas clair pour vous, je peux passer 2 minutes dessus. Hein. Elle a pas été mise à jour d'ailleurs cette RFC. Du coup, on fait le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Salut à toi, Salorium. Bienvenue. Alors, si la requête est faite pour envoyer un port ouvert, bah oui, il va répondre. Ok. Et il y a une... Ouais, c'est ça. Si le port est caché derrière. Tu veux bien que je développe. Alors, en gros, ce que nous dit le document ici... C'est que, en fait, quand tu as un paquet qui est envoyé d'un... ah bah, puisque Nils. Alors, El Kafou. Alors, Salorium, je te demande 2 secondes. El Kafou, franchement, si j'avais pas le risque de me faire strike pour copyright, je passerais du ABBA pour le reste du stream. Pas que je suis particulièrement fan. Ce qui me fait... penser à d'autres choses en parlant de fans, mais bon, bref. Voilà. Alors, Salorium, le principe de TCP et UDP. Alors, TCP, ce serait, par exemple, supposons que tu aies de la grenadine eh ben, je vais arriver, je vais te dire, je voudrais de la grenadine. Et toi, tu vas me dire, effectivement, j'ai de la grenadine. Et ensuite, je vais te dire, eh ben, je veux de la grenadine. Donc, j'arrive et je te demande si tu as de la grenadine, sin. Tu me réponds que tu as de la grenadine, sin hack. Et je te dis, bah, je veux vraiment de la grenadine, hack. Si on faisait de l'UDP, j'arriverais et je te dis, bonjour, je veux de la grenade. Et toi, tu prendrais un saut de grenadine et tu me l'enverrais dans la tronche. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus... enfin, bon, j'avoue que l'histoire du saut de grenadine dans la figure en UDP, c'est peut-être un peu violent, mais c'est un peu le principe. Alors, Haribo qui dit « Moi j'utilise UDP, c'est un courrier postal. On n'est pas sûr qu'il arrive. TCP, c'est un appel téléphonique. S'il s'établit, on est sûr de pouvoir parler au correspondant. » Tout à fait, Haribo. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup ta comparaison. Et Azram qui demande si ça fonctionne avec un autre sirop. Salut à toi, Azram. Alors oui, ça peut fonctionner avec un autre sirop. Ça peut fonctionner aussi avec certaines boissons dont l'abus est dangereux pour la santé. Mais Azram, alors je sais que je vais faire de la private joke là, mais ça fonctionne aussi avec de l'eau. Il n'y a pas de souci à Haribo. Merci d'être passé, merci beaucoup pour ton aide. Oui, on va, de toute façon, on va pas tarder à finir. En fait, je pense qu'à mon avis, on finira pas la task 5, mais c'est pas grave. Et Salorium, pour qui c'est beaucoup plus clair. Eh ben, écoute, ravi d'avoir pu t'aider. L'eau, ça fait rouiller, c'est bien connu. Effectivement. Alors. Donc, qu'est-ce qui se passe si la requête est envoyée sur un port ouvert? Bon, bah ça, c'est que c'est bon, ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe si le port est ouvert, mais derrière un pare-feu? Beaucoup de pare-feux sont configurés pour simplement drop, donc laisser... ne pas répondre au trafic, tout simplement. Ne pas répondre les paquets qui arrivent. Et donc, Nmap envoie une requête TCP SYN, donc il fait « Hey, coucou, je voudrais de la grenadine !» Et en fait, en face, il n'y a personne qui dit « Hey, oui, j'ai de la grenadine pour toi !» Donc ça indique que le port est protégé, mais il est filtré. Ceci étant, le moyen avec un... Ah oui. Parce qu'effectivement, il y a des firewalls qui peuvent très bien dire, bah non, moi je te réponds par la main. T'arrives, tu dis je veux de la grenadine, tu fais par la main. Donc effectivement, avec IPtable, alors c'est... Ils ont mis l'exemple avec IPtable, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal de le mettre avec NFtable, mais on verra ça, je pense, à une autre fois. Donc, quel RFC ils l'ont cité. Hop, la RFC, c'est la 793. RFC 793. Hop. Si un port est fermé, quelle flag devrait... Qu'est-ce que... Eh ben, il devrait renvoyer le flag RST, qui en fait remet à zéro la... Ah oui, c'est vrai, il y a une faute. Bien vu. Hop. Voilà. Merci El Kafou. Il y en a un qui suit. Et normalement, ça doit être resté. Voilà. Bon, bah finalement, la task 5, on l'a terminée. On l'a terminée, mais est-ce que la 6, on peut la faire rapido? Blablabla. Ah oui, le fait qu'il dit un half open, c'est qu'en fait, voilà. C'est que, donc, coucou, je veux une grenadine. Oui, j'ai de une grenadine. Non, en fait, on va recommencer. C'est un peu ça. Ou limite, il dit finalement, je veux plus rien. Tac, tac, tac. Alors, il y a deux autres formats, deux autres noms pour un SynScan. Il y a deux autres noms. Ah ouais, ah oui, Half Open et Stealth. Ok. Hop. Alors, il veut le Stealth d'abord ou le Half Open d'abord? Allez, Half Open et Stealth. Stealth. Oh, j'ai un anglais de... Hop, j'ai pas un bon anglais ce soir. Et est-ce que Nmap peut utiliser un SYN scan sans les permissions sudo? Eh bien, a priori oui, mais ça va être un peu... Non, c'est non. Ah, c'est non. Ah oui, c'est parce qu'il a besoin des capabilities, mais à la limite, ça, les capabilities, il y a moyen de les... Bon. Ça se discute. Bon, ça va, c'était rapide. Est-ce qu'on a... Hop. Est-ce qu'on peut se faire le... Le RST, c'est... qui est envoyé par le grand pare-feu chinois aux deux machines qui font du TCP quand il y a un mot bloqué. C'est une façon de voir les choses, El Kafou, effectivement. Alors, voilà. Contrairement à TCP, les connexions UDP sont stateless. Donc c'est ce que je disais. Hein. C'est quand j'arrive que je dis le vœu de la grenadine et qu'on m'envoie le saut de grenadine à la figure. C'est aussi ce que t'envoie PF quand il bloque un port. PF, tu veux dire l'OpenBSD PF ? Cela veut dire que, plutôt que d'initier une connexion avec voilà, un check, les connexions UDP, c'est juste on envoie le paquet à un port et on espère que ça va le faire. Donc effectivement, quand tu as besoin de vitesse au-dessus de qualité, c'est par exemple dans... Pour se souvenir que l'UDP, UDP c'est vraiment du paquet qui est envoyé comme ça sans ordre particulier, sans faire attention à la, je dirais à la qualité quelque part. Il y a une blague assez souvent qu'on raconte qui est, c'est l'histoire de deux paquets UDP qui discutent. Le premier fait ah bon, et le deuxième fait il paraît que je peux arriver avant toi. Et ouais, effectivement, UDP, on se fiche de l'ordre et s'il en manque. Donc, à partir de là, c'est surtout utilisé... Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'un exemple très simple, c'est que pour la voix, c'est que si, par exemple, je discute avec El Kafou sur un protocole qui utilise de l'UDP, si jamais il y a un mot, si jamais il y a un paquet qui est mal mis, bah, c'est juste un mot de sa voix que je vais pas entendre. Et en fait, bah, je vais dire « Hey, El Kafou, tu pourrais répéter ce que tu racontais, là ?» Et puis lui, il va me dire « Bah oui, j'étais en train de te dire que t'étais un idiot. » Je plaisante, hein. Et en fait, bah, quelque part, quand on est dans le monde de la téléphonie, ce qu'on peut se dire quelque part, c'est que autant le trafic data de la voix, c'est du trafic UDP, mais les êtres humains implémentent TCP en vocal. Voilà. Je sais pas si ça vous... J'espère que ça comment dire, j'espère que ça ne vous rend pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Si un port UDP ne répond pas, il va être marqué en tant que... Ah oui, bonne question. Est-ce qu'il est closed ou... Ah bah non, il va faire open ou filtered. Non, ça c'est... Ah oui, there should be no response. Ok. Hop là. Voilà. Et quand un port UDP est close, par convention, la target should send back power which protocol would use. Hey, merci beaucoup pour le follow Diagonopé. Merci à toi. Salut à toi, Tololo83. Vous arrivez sur la fin, hein. On va pas tarder à s'arrêter. Je pense que je vais répondre à cette question et puis on va finir là pour ce soir. Just throw UDP packet, that's it. Alors, ça va être quoi? Pour une cheval. Le target devrait répondre avec un ICMP ping. Sérieux, avec un ping? Bah ICMP du coup. Ok. Ok, alors ça pour le coup je le découvre ou je le redécouvre. Que en théorie il renvoie un message ICMP en disant vas-y c'est fermé, va voir ailleurs. Tout à fait Tololo, alors pas un learning pass, je suis en train de faire un CTF sur Nmap. Il y a un truc sur Nmap en particulier. Mais au début, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais commencé un Learning Pass. C'était un peu lourdingue. Ok, eh ben, alors je ne sais pas si je vais le continuer en live, à moins que ça vous intéresse. Et dans ce cas-là, on peut se donner rendez-vous dimanche prochain pour finir. Parce que bon, bah, on a déjà on a fait la moitié des tâches, visiblement. Et on serait, selon le truc, à 60%. Hop, allez, je vais faire un terminate de la box. Voilà, et puis, hop, on va se remettre comme ça. Puisqu'il est Il est l'heure, braves gens. J'ai fait déjà 2 heures de stream, déjà. Le temps passe vite quand on s'amuse. Et qu'est-ce que je me suis amusé? J'espère que vous êtes amusés aussi. Alors du coup, Haribo est déjà parti et il va manquer mon nouveau remerciement pour l'aide qu'il nous a apportée, entre autres. Mais vous toutes et tous, vous étiez là aussi. Et je pense justement à El Kafou, à Xavier, à... qui c'est d'autre qui aimait? Hop là. Ah bah ouais, voilà, il y avait Digitalez qui nous a aidés. Voilà. Donc franchement, on s'est bien amusé. Et si jamais vous avez envie d'en voir plus, eh ben c'est très simple, je stream 2 fois par semaine. Et merci à toi pour le follow Gravitino Gaming. Merci à toi, c'est très gentil. Donc oui, effectivement pendant ce lag, tu nous as aidés aussi. Ah bah voilà, donc la semaine dernière je faisais de la compote, enfin la semaine dernière Studio Cyanotype faisait de la compote et ce soir c'est Xavier G qui fait la soupe. Donc, t'as tout écouté, c'est génial, merci à toi. Donc, les streams, 2 fois par semaine. Le jeudi soir, alors en ce moment les jeudis soirs c'est plutôt infra-as-code, on monte un labo en utilisant du Terraform, du Terraform, de l'Ansible, du Cloud Init, et on essaye de mettre en place une sorte de maquette d'internet. C'est assez amusant. Là, ces temps-ci, on essaye quand même de monter un serveur web avec du Nginx, du PHP, du MariaDB, et on passe un petit peu de temps sur le MariaDB. Et sinon, le dimanche, eh ben, on vient de finir déjà Ah tiens, d'ailleurs, vous m'avez rien dit. J'ai laissé Labo Réseau as code et personne n'a rien dit. Ah là là. Bref, la semaine dernière, j'avais entamé des CTF et là, on en a profité pour les continuer. On en a même entamé un que du coup, si ça vous tente, on pourra finir la semaine prochaine. Merci pour le follow, Ahsoka. C'était une jolie déco. La découverte, ah oui, je suis assez d'accord, c'était sympa. Mais pour ce qui est d'un live, alors d'un live peut-être un peu différent, faut que je vois exactement parce que donc j'utilise un serveur de lab particulier qui est sous mon bureau pour les lives des jeudis. Et il se trouve que grâce à la générosité de certaines personnes sur internet, j'ai récupéré de quoi faire un upgrade du lab, donc carte mère, CPU, mémoire vive, tout ça. Et je me demande si ça vous intéresserait, donc n'hésitez pas à me le dire en réponse sur les réseaux sociaux ou dans le chat, si ça vous dit, si on tente un nouveau live démontage-montage de serveurs. Et donc il faudra qu'à un moment je m'occupe de ça. Je crois que j'ai fait le tour. Donc oui, les jeudis, c'est de 20h à 22h. Les dimanches, c'est de 18h à 20h. Pour la config après, ouais, à voir si du coup je réinstalle tout l'OS. Mais ça reste un Linux, tout ce qui est de plus standard. Limite même, je serais tenté de vouloir ne pas réinstaller l'OS. Et voir si ça démarre quand même. Spoiler, faudra sans doute que j'aille toucher à l'init ramfs avant de faire la réinstall. Donc, les jeudis, 20h-22h, les dimanches, 18h-20h. Entre deux, eh ben, vous êtes les bienvenus sur Discord. J'en ai entendu qui sont arrivés en début de stream. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Mastodon, il y a même LinkedIn. Vous avez tout ça dans point d'exclamation socials dans le chat. Et sinon, vous avez les trucs qui sont ici. Les vidéos se retrouvent au bout d'un moment sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez de toute façon le replay pendant 15 jours. Et après, voilà, exactement, anotherhomepage.org sur lequel vous retrouvez... Est-ce que je vous rebalance chez Chaos quand j'ai fini? Ah, alors, est-ce que Chaos s'est remis à streamer, du coup? On va aller vérifier ça tout de suite. Hop. Alors, Chaos. Hop. Chaos. Hop. Farbotti. Je crois qu'en fait, je l'ai même pas encore follow. Non, il n'est pas encore en train de streamer. Bon, je vais le follow pour la prochaine fois. Comme ça, si jamais... Hop. ce sera bon. Est-ce que j'ai du monde dans mes followers ou dans les gens que je follow? Non, il est offline. Oui, bah, je peux comprendre, c'est... Hop. Non, a priori, j'ai personne dans les gens que je follow qui est en train de streamer. Il y a Actebac. Ah. Alors, voyons voir ça. On a dit Actebac. Qui serait en train de jouer à Cyberpunk. Oh, il faudrait que je m'y remette, tiens. J'ai dû y jouer j'ai dû y jouer une heure et demie à tout casser. Ouais, allez, en plus il a l'air de... Oh, ça fait 2 heures qu'il est là quand même. Ouais, bah allez, on va quand même aller le voir. Allez, Zou, c'est parti. C'est parti. Allez, bah, ce que je vais faire, c'est que comme à mon habitude, hein, quand je vais raider les gens, je vais quand même mettre le petit truc de fin. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour le follow, Snatch. Je suppose que c'est pour te rappeler de venir la prochaine fois. En tout cas, c'est très gentil à toi. Merci. Merci. Et donc, je vais mettre donc l'écran de fin et puis je vais envoyer le raid. Alors, on a dit... Actebac. Hop là, voilà. Allez, ciao ciao.